Alors c'est Claude Belker, que nous connaissons bien de l'INRAE de Montpellier, qui nous a mis en contact avec David Rousseau d'Imorphène. Claude travaille à l'organisation de l'infrastructure nationale de phénotypage de l'INRAE, Phénome, et parmi les objectifs de cette infrastructure figure l'identification de nouveaux traits de phénotypage. Or nous, chez FIMEA, nous avons développé l'Airbox, qui est un système d'acquisition d'images associé à une chaîne d'algorithmes pour caractériser les épis de maïs à la récolte, et nous cherchions de nouvelles opportunités pour développer de nouveaux traits sur le maïs et expérimenter de nouvelles espèces. Et avec leur expertise sur l'imagerie des plantes, sur le machine learning et leur implication dans le réseau international, eh bien, l'Université d'Angers et Imorphène paraissaient pour nous une solution idéale. Alors, c'était notre première collaboration de ce type et c'était un petit peu la découverte. Malgré tout, ça a été très fluide, surtout malgré un fonctionnement presque uniquement à distance. Grâce au soutien du plan de relance, nous avons pu recruter Nasser Boutra, un ingénieur en sciences des données, qui a articulé son travail entre le laboratoire et l'entreprise. Et grâce à son travail et à l'encadrement du laboratoire, il a pu réaliser des améliorations significatives sur l'analyse des traits du maïs et réaliser des travaux exploratoires sur l'analyse du blé. C'est déjà de finir d'intégrer les travaux de Nasser dans nos bases de code pour la solution actuelle. Et puis, nous avons en projet d'ajouter également de nouveaux traits sur le maïs, et notamment l'analyse des dégâts des ravageurs ou des maladies. Et au-delà des aspects techniques, globalement, on est très satisfait de notre collaboration avec l'Université d'Angers et avec l'équipe d'Imorphène, qui nous a permis de créer des partenariats avec de nouveaux clients. Et donc ça, c'est autant de pistes de développement qu'on va chercher à creuser dans le futur.